qu'il faut pas faire pour ce Capitaine is not dead. Je ne fais pourtant mal à personne. Avec mes Jack et mon Stetson et mon t-shirt Harley Davidson, je ne fais mal à personne. Alors, j'ai rencontré David Vallée il y a moult années. Parce que je suis un fan des Vampasses à la base et il suivait pas mal les Vampasses. Et on s'est rencontrés sur quelques dates et je suis devenu complètement fan de David Vallée et de tout son travail. Alors, le tout premier Scopitone avec David Vallée, j'avais pas encore le groupe Les Extraterrestres. Donc, c'était Fellow tout seul avec Tu préfères qu'on reste amis. Au début, tout ira bien. On sera de bons copains. Et puis, la vie, tu parles. C'était tourné en fond vert dans les locaux de No Life, la chaîne de télé. Et voilà, l'idée, c'était juste fond vert et j'étais habillé un peu classe, un peu Jean-Jacques Goldman. C'était l'idée et David s'est bien amusé sur les incrustes. Le deuxième Scopitone, donc c'était vraiment avec le groupe Fellow et les Extraterrestres. On a tourné ça à la forêt de Fontainebleau. Moi, je suis... Petit à petit, on avait de plus en plus de peinture sur soi, jusqu'à finir avec un boucaquet de peinture. Pour ceux qui connaissent le terme boucaquet, ça leur parlera. Avec la peinture, on a niqué une guitare, des fringues, une serviette, enfin, c'est merveilleux. Parce que j'avais pas pris de la peinture qui s'enlève à l'eau. J'ai pris de la grosse peinture, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et ça part pas. C'était génial, on en avait dans les cheveux. Et voilà. Mais on était contents. Ensuite, le troisième Scopitone, c'était pas mieux avant. Donc un titre pour promouvoir notre album qui venait de sortir, le meilleur album du monde. Et donc c'était plus Mathilde, c'était Axel. En fait, à chaque fois qu'on change de guitariste, on fait un Scopitone, c'est bien. L'idée, c'était, on a tourné dans notre salle de répète. Et l'idée, c'était de changer un petit peu le décor et les costumes, tout en gardant tout le temps le même angle de caméra. Plein de faux raccords, voilà. Le plus de faux raccords possible. Les rock'n'roll, c'était pas mieux avant. Les Beatles, c'était chiant. Les Beatles, c'était chiant. Les rock'n'roll, c'était pas mieux avant. Avant, il y avait pas mieux. Alors que nous, c'est trop fou. Les rock'n'roll, c'était pas mieux avant. Pour le centième Scopitone, David nous a proposé de nous joindre à toute la belle troupe qui a repris Cheveux longs, idées courtes de Johnny Hallyday. C'est super chouette. Non seulement la chanson est vachement bien, enfin les arrangements sont super cool, et ça fait plaisir de se retrouver au milieu de plein d'artistes. Si talentueux et si joli. Ok, donc on va démarrer sur le deuxième. Johnny, tu peux sortir de scène pour l'instant, s'il te plaît. Ça marche. On était parti sur l'idée de faire le morceau De mal à personne, qui est donc un morceau sur les fans de Johnny Hallyday. Mais on avait juste l'idée de ce morceau et voilà, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Quand soudain, j'ai appris que dans ma famille, j'avais un sosie de Johnny Hallyday, pile à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est le destin. J'ai contacté ce monsieur et il a accepté volontiers de venir tourner avec nous. Et quand il ne sera plus de ce monde, ceux qui sont foutus de sa gueule se mettront à l'aimer, oh, oh, à l'aimer, oh, oh, à l'aimer. J'ai trouvé la démarche des Fellows extraordinaire. Parce qu'en fait, pourquoi se moquer de quelqu'un qui donne du plaisir depuis tant d'années et à toutes les générations, en fait, hein. Malheureusement, c'est vrai qu'un jour,
certainement qu'on dira bah oui, mais c'était quelqu'un d'énorme, de très bien, et on le moquera beaucoup moins qu'on se le moque aujourd'hui. Donc bravo Eiffelot pour cette démarche. Alors là, l'ambiance, j'ai déjà assisté à un, tout quoi, j'ai déjà participé à un tournage en studio où c'était vraiment, pour le coup, vraiment très très rigoureux. Bon, on se marrait pas beaucoup, on travaillait énormément. Là, pour le coup, on a travaillé énormément, mais sans s'en rendre compte, parce que ça s'est fait dans la joie, la bonne humeur, et vraiment, c'était un plaisir de réaliser ce Scopitone, quoi. Un Scopitone, ça se prépare mentalement énormément. Vu tout le travail qu'il y a à faire et à accomplir, non je déconne, on arrive, on se pose, on voit ce qu'il y a, on improvise et c'est cool, David est super sympa et nous aussi on est super sympa. Puis il a l'œil du réalisateur, il sait ce qu'il veut, une fois qu'il est placé, il sait comment placer les gens et il est très doué ce garçon. Et je suis en totale admiration quand il est là, j'en fais des rêves, pardon. Ah non, ce qui serait vraiment génial en Scopitone, bah c'est Johnny Hallyday, le vrai. Peut-être qu'un jour. Johnny, si tu nous entends. Voilà, Johnny, fais un Scopitone avec David.